Salut à tous les amis Simstar Espace 3 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et bien sur la présentation de ma PlayStation 4. Attends, je vais juste mettre un petit peu plus de lumière. Je pense que là c'est bon. Donc voilà, donc c'est une PlayStation 4 tout à fait normale. Écrit Sony ici. Ici PlayStation 4. Donc je vais vous montrer, j'ai deux jeux dessus, donc je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, donc FIFA 15. Donc ce jeu vidéo là, il est à moi. Après nous avons PES 2016 qui est dans sa boîte, donc regardez, dedans la boîte, hein. Voilà. Ensuite, nous avons la manette qui est vraiment magnifique. Rien à voir avec celle PlayStation 3. Hein. Donc, les touches. Pardon. Voilà. Donc, vraiment magnifique. Voilà. À la fin de la vidéo, je vais vous présenter des petits trucs. Après, dans le téléphone, j'ai l'application PlayStation. Donc, le chargeur qui est long, hein, il est vraiment long. Il fait pas un mètre quand même, mais il est long. Donc là, je l'ai enroulé, hein, pour pas qu'il soit branché à chaque fois. Donc, je le mets là. Et donc voilà, donc je vais faire un petit tour. Bon, je vais le présenter encore plus, donc voilà. Après, derrière, il y a les fils. Voilà, ici, il y a le logo PlayStation. Hein. Attendez. Donc, si je fais un petit peu des coupures à chaque fois, c'est pas mal. Hein, je filme avec le téléphone. Donc, voilà, donc là, il y a le logo PlayStation. Attendez, je la remets, hop, comme ça, voilà. Donc, maintenant, je vais allumer la console et on se retrouve tout de suite. Alors, voilà la Play. J'allume la télé. Par contre, le son de la télé, il est vraiment énorme. C'est un petit peu... Je vais zoomer un petit peu. Donc voilà. Donc avec l'application PlayStation, j'ai mis un petit logo. Comme ça. Le Portugal, quoi. Après, comme vous pouvez voir, j'ai donc PES. J'ai la démo de FIFA 17. J'ai le jeu FIFA 15. Et j'ai la démo de NBA Live 15. Donc je trouve qu'il est vraiment pas mal. Voilà, après j'ai bien entendu télécharger YouTube, hein, comme vous pouvez voir. Donc par exemple, c'est Niva dans PES, donc voilà quoi. PES quoi. Mais ça c'est pas la démo, comme vous avez pu voir tout à l'heure, c'est le jeu vraiment. Donc voilà, donc la manette là elle est bleue, donc il y a plusieurs couleurs. Il n'y en a pas vraiment, hein. Il y a le bleu et il y a le rouge. Donc voilà la manette qui est vraiment magnifique, je trouve. Donc voilà le jeu, hein. Bon, c'est PlayStation 4. Après la PlayStation 4 qui fait une lumière également. Donc voilà, bleu. Hop. Après c'est un petit peu blanc, genre violet. Voilà, hein. Le jeu, donc voilà, donc un petit peu le jeu. Après, bon, c'est l'officiel jeu vidéo de PES. Ce n'est pas l'Euro 2016, donc dans le jeu de l'Euro 2016, c'était PES 2016, l'officiel jeu vidéo de l'Euro 2016. Là, c'est vraiment PES, quoi. Donc, voici la manette, hein, vraiment magnifique. Alors, pour ceux qui s'intéresseraient... Comment je l'ai acheté neuf ou d'occasion? Bah, je l'ai acheté d'occasion à Easy Cash à Clé Suisse. Donc voilà.
Donc voilà la manette, vraiment magnifique. Voilà la lumière. Sony en ici. Qui voient. Je pense que vous voyez ici là. Sony écrit. D'accord. Je vais quitter hein, juste à cause de la musique. Ça fait des droits d'auteur sur voilà. Donc Sony, hein, vous pouvez voir. Hop. La qualité par contre. Bon, c'est pas grave. Ah voilà. Là, elle est bien la qualité là. Je pense que vous voyez. Après, nous avons écrit option. Attendez, on attend juste un tout petit peu à cause de la qualité. Je pense que vous voyez quand même option écrit. Attendez, là, là. Ouais, vous arrivez à voir quand même. Attendez, hop. Ouais. Bref, option c'est start. D'accord. Les gars, oh, je suis trop content. Parce qu'en plus, alors je savais pas parce que vous, je pense que vous êtes d'accord. Alors j'ai acheté la PlayStation 4 il y a pas longtemps. Ça va faire 4 jours, je sais pas. Donc j'avais la Play 3, donc je suis très content. J'ai la Play 4. Pour Noël, je vais recevoir la WWE 2K17. Et donc voilà. Alors, en fait, depuis longtemps, je cherchais à savoir comment est-ce qu'on supprimait. Eh bien, vous appuyez Start et attendez. Attendez, je vais mettre bien pour appuyer Start. Vous appuyez Start. Et ça apparaît. Et moi, depuis longtemps, je cherche comment supprimer. Parce que au cas où je voudrais supprimer quelque chose, eh bien, je sais supprimer. Et donc, je peux supprimer. D'accord, donc maintenant, je le sais. Ok, ok. Donc, je suis très heureux. Parce qu'en plus, j'avais envie de faire cette vidéo. Et grâce à cette vidéo, j'ai pu vous montrer le bouton start et donc option pour la Play 4 et j'ai réussi à savoir donc voilà et donc share donc share bah pour share c'est select si j'appuie select ça fait quoi ah d'accord ok donc voilà la manette alors ici je pense que je l'ai pas dit. Par contre, je vais dézoomer. Ah, c'est déjà dézoomé. Alors ici, je sais pas si vous voyez le trou. C'est pour la charger. Et après, il y a un autre. Je ne sais pas, il sert à quoi. Donc, alors, voilà. Hein, j'ai reçu la Play 4. Je connais pas tous les boutons non plus. Ok, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis bye.